Yo les boys, c'est Zeik, on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 20, ou plutôt la web app qui vient d'ouvrir. Donc voilà, j'ai fait mes DC, j'avais les paquets One Bissaka, j'ai pas fait de vidéo pour ça. Bah voilà, c'est déjà un bon petit joueur, bon ça charge, ça bug un petit peu depuis le matin. J'ai fait donc hybride pays et donc j'ai obtenu deux gros packs, hein, le premier c'est le pack joueur rare qui est très intéressant et le pack méga rare. Alors je sais pas du tout si je pense que le pack méga rare est un peu moins intéressant que le pack joueur rare parce qu'il y a un peu de tout, les consommables etc. Mais j'hésite parce que j'ai toujours plus de chance dans ces packs là, je sais pas pourquoi. On va ouvrir et on va espérer avoir du lourd. S'il y a du lourd, ben vous verrez cette vidéo, sinon vous ne la verrez pas. Donc quoi qu'il arrive, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est qu'il y a vraiment eu du lourd. Cette vidéo sera courte, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait beaucoup parce que vous le savez, pour l'instant j'ai été un peu moins actif, mais je reviens sur FIFA 21. Donc si vous êtes chaud, mettez le pouce bleu, abonnez-vous et let's go donc pour ouvrir le pack méga rare d'abord. Allez, on va tenter le pack méga rare. De la petite musique en fond. Je sais pas du tout si c'est une bonne année, mais il y a Mendy. Oh là là, Ferland Mendy. Ah ça c'est bon, ça c'est très très bon. Je sais pas du tout combien il vaut. On va comparer les prix. Oh là 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 là. Oh là là là, les amis, on a packé un des meilleurs défenseurs du jeu en même temps. 80 000 crédits. Alors je les vendrai hors live, mais waouh, 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 waouh. Alors Danilo Pereira, bon ça vaut un petit 4 000, hein. Non, 2000, pardon, j'ai crié victoire trop tôt. Ginter, ça doit valoir pas grand chose. Peut-être à Sanchez, mais il a pas beaucoup de vitesse, donc non. Alors, on sait bien que les FIFA en général, ça se joue beaucoup à la vitesse. Donc je pense que ils sont trop lents. Enfin, lui par contre, mais c'est pas une grosse ligue, hein. La Liga NOS, ligue portugaise, il n'y a pas vraiment de quoi le vendre cher, quoique. Quoique, il vaut un petit 10 000 quand même pour service, c'est intéressant. Alors, on va stocker dans le club et on va aller ouvrir le dernier pack. Alors, j'ai un doublon ici. Je vais me faire en vente rapide d'Mbele. De toute façon, il n'est pas très intéressant. Alors, le dernier pack, le pack joueur rare, celui que tout le monde attend. 12 joueurs, 12 rares. Il y a beaucoup plus de possibilités, selon moi, d'avoir un gros joueur. Et là, on a déjà eu Ferland Mendy. Mais quoi qu'il arrive, on est refait. Attention, je sens que vous n'avez pas mis le pouce bleu là, je sens que vous ne l'avez pas encore mis. Donc avant d'ouvrir ce pack, mettez le pouce bleu, ça vous prend quelques petites secondes les amis. J'ai pas activé la cam mais vous le savez, je suis aussi en live sur Twitch. N'hésitez pas à aller rejoindre mes réseaux sociaux qui sont en description. Let's go! Let's go les amis. Ouh, ça sent la grosse carte. Non, ça pue la merde, pardon. Faux espoir. Oh, Leno quand même. Allez, un petit 85 de gêne, ça doit valoir 20 000, allez. Un peu moins, ouf, non, pas beaucoup. Bon, ça vaut un petit 9000 crédits. Bon, on a eu moins de chance dans ce pack-là. Mais c'est déjà pas mal. On est déjà content d'avoir 80 000 crédits avec Ferland Mendy déjà assuré. Milner, ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc, vraiment très très mauvais pack là pour le coup. Pas eu de chance. Je sais pas du tout c'est quoi ces cartes-là. Cartes Libertadores, là, je sais plus. C'est pas vraiment intéressant ce pack là. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche parce que je suis de retour très bientôt. Vous le savez, la date arrive à grands pas. C'est vendredi prochain, je pense, 9 octobre, que vous me verrez en live sur FIFA pour fêter donc le FIFA 21. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.